Je mange mon porc qui pique. Mais bi. Il n'y a pas les commentaires. Ils ont actuellement signé la page, signalé la page, c'est que la page ici même. Il n'y a pas les commentaires. Tu connais ça? C'est ça. Les poissons de Kibi là. Et ma banque. Il n'y a pas les commentaires. Comment ils peuvent faire un direct sans lire les commentaires? On a tellement signalé cette page ici que. Regardez les blogueuses ivoiriennes. Le luxe insolent. Les lolo beauté multimilliardaires. Elles sont là, elles vont te dire que ça fait depuis 8 ans qu'on clash. Ça fait 8 ans qu'on fait ceci, rien de spécial. Tu veux porter les nylons, nylons pour venir essayer sur Facebook. Vous avez peur de vous. Des choses comme ça. Avec mon nom dans les sales bouches. Oui, ma BS, oui. Non, 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 non. Après, je t'appelle pour mieux t'expliquer, parce que je suis en direct. Que quoi? D'accord, ça marche alors. D'accord, ça marche alors. Je te rappelle tout à l'heure. Bisous. Bisous. Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Elle avait fait le direct pour se moquer de moi. Elle avait fait le direct pour m'insulter. N'importe quoi. Un seul direct que j'ai fait, je m'amusais même ce jour-là par rapport à Dre Boni. Ah, c'était même pas que j'étais même trop sérieux de ça pour dire que non. C'est devenu qu'elle avait fait le direct pour se moquer de moi. Mini Minon. Ton nom est dans la plainte là. Dis à ta team des rats et des moutons là qui sont en train de gesticuler que ton nom est dedans. Ça veut dire que le même châtiment que je qu'on vous dit que je suis en train de dire là, peut-être même pour toi, ce sera même directement l'ongata. Hein, parce que toi, tu as insulté le Joe là, on a vu. Toi, tu l'as insulté en vrai. Donc peut-être pour toi, là, ce sera même direction Kodengi. Si tu n'as pas les côtes solides, papa, ne viens pas, oh. Je t'avertis. Parce que tes gens là, tes moutons là sont. Ah non, je parle de lui. Mon petit frère, il est mes yeux. On va te traiter, t'as pas arrivé. Comme ils sont en train de jubiler, que oui, oui, machin. C'est la même chose, c'est la manipulation que la Toto ne sait ni lire écrit là. Comme elle n'a pas le pouvoir de s'imposer dans les réseaux sociaux, elle veut nuire à tous ses adversaires. Donc c'est sa pratique. Elle utilise les gens pour aller faire du mal aux autres directement dans les postes de police et de commissariat. C'est comme ça. Donc c'est la même chose que tu vas subir. Dans ton pardon là, tout le monde veut l'argent. Ma part même bien qu'elle n'ait pas été interpellée. Et Olivia, va raconter. Olivia, ne m'énerve pas. Hein. Ne viens pas me raconter ce que tu me racontes là. Prends l'avion, tu rentres. Je ne peux pas prendre l'avion maintenant. Je n'ai pas la question, il avait payé mon billet quand il venait. Prends l'avion, tu rentres. Je suis dans mon pays, le Cameroun. Même un an, je suis là, ça te fait mal où?
La langue est mal, ça sort de tes poches. Regarde-moi un tintin, un idiote. Une affamée de basque. C'est bon. Ça veut dire que moi, ensuite, quand on me fait les commentaires, les mauvais commentaires, pourquoi elle vient commenter comme ça? Elle est obligée de venir commenter comme ça. En tout cas, moi, je vous rassure que je vais bien. Je vous rassure qu'elle va bien. Dans les informations qu'elles ont eues là, je ne sais pas d'où elles ont ramassé les informations là. Que Lolo a en Koudengui. Lolo est ceci, Lolo est cela. Non. Moi, je suis rentré à la maison, je suis bien couché. Et normalement, normalement c'est une affaire où j'étais, on m'a porté plainte. C'est normal que je suive la procédure, c'est pas ça. Je dois suivre la procédure, c'est normal. Ça prouve que le Cameroun, il n'y a plus la corruption. S'il y avait la corruption, dès qu'elle venait, on me mettait ses mains en gâta. Ça veut dire que les autorités sont performantes. Ils font leur travail. C'est tout à fait normal quand on te porte plainte. Même en Europe, ce n'est pas comme ça. Il faut que si vous vivez au sous-quartier, quand tu arrives en Europe, dès qu'on te porte plainte, tu vas te faire entendre par un enquêteur. C'est comme ça. Même les hommes, les chefs d'État comme les Sarkozy, ils ont intention de quitter le territoire français parce qu'ils ont des plaintes en justice. C'est normal. Quand tu as une plainte qui a été déposée, c'est normal que tu te présentes et tu réponds à ta plainte. Maintenant, tu donnes ta version. Le plaignant a donné sa version depuis 2017. Toi, tu vas venir donner ta version en 2021. Maintenant, c'est mieux qu'il y ait une confrontation. Que voilà, tu avais dit qu'elle t'a insulté. La dame est venue, elle nous a donné une autre version qu'elle ne vous a jamais insulté. Vous avez des preuves? Oui. Montrez vos preuves. C'est comme ça, non? Il y a quoi? Vous me fatiguez, même. Vous avez des preuves. Quand on a vu ces preuves, elle est en train de djoum djoum. Tu vas payer l'argent là seul, mon frère. Ce n'est pas avec moi, je n'étais pas dedans. Tu vas payer ça seul. Quand on dit que les gens sont... Pardon, on m'a dit de ne même plus crier, pardon. Merde. Il faut suivre la procédure. Je me suis rendu là-bas hier. J'ai été entendu par l'enquêteur. J'ai entendu par l'enquêteur. Et puis, voilà, on nous a donné rendez-vous pour lundi, pour qu'il y ait confrontation avec les plaignants. Voilà, si tu reconnais avoir insulté des personnes, tu reconnais, oui. Tu ne reconnais pas là, oui. Je ne reconnais pas. Maintenant, le plaignant apporte ses preuves. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a que c'est qu'on va, tu viens, on t'amène. Normalement, même, on t'amène directement au gâteau. Non. Donc, vraiment, le plaignant apporte ses preuves. Si le plaignant a les preuves que tu l'as insulté et qu'il veut poursuivre la paix en justice, il te poursuit en justice. Étant libre, tu vas aller répondre à tes actes. C'est comme ça. Vous êtes là, vous êtes en train de gesticuler. On a arrêté. On a envie que le Cameroun, c'est votre pays, que ça vous appartient vous seul. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et ce que j'ai vu à la police, moi j'ai apprécié le comportement de ces gens qui avaient des autorités parce qu'ils ont vraiment suivi la loi. Que voilà, vous êtes là pour telle chose. Si vous êtes venu nous voir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait déposé une plainte contre vous. Mais vous devez être, on doit vous entendre. Allez chez l'enquêteur, j'ai raconté ma version des faits, on m'a posé des questions. Et ils m'ont dit, revenez lundi parce qu'on a appelé, le plaignant. Et le plaignant ne s'est pas gêné d'aller donner des informations à ces gens parce qu'ils veulent faire la propagande. Et ne croyez pas que quand tu portes plainte, on ne peut pas te porter plainte. Hein. Parce que c'est que je suis en train de subir là maintenant. Là, parce que si je devais rentrer peut-être demain, j'ai perdu mon billet d'avion. Hein? J'ai déjà perdu. Je dois payer mon appartement. J'ai préjudice moral. Je suis malade. Je ne marche plus bien. Je n'ai pas de toilette. Je vais aller à l'hôpital maintenant. Tout cela. N'oubliez pas qu'il y a la loi. Comme moi-même aussi, je peux écrire la plainte. Parce qu'après ça, parce que s'il n'y a pas les preuves contre moi, faites très attention. Hein. Faites très attention. Moi, je sais pourquoi je me bats. Faites très attention. Faites très attention, parce que je ne suis pas un enfant, je ne suis pas bête. Voilà, bonsoir Julie. J'ai même fait le live dans la nuit pour vous rassurer, mais Lolomania, je sais que vous vous inquiétez pour moi, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas t'inquiéter pour la personne. Je vais très bien. J'ai fait le live de la nuit, c'est pas parce que je voulais vous calmer. Calmez-vous. Ce que les autorités font là, c'est le boulot. C'est ce que nous on demande, que vraiment, que la justice soit pour tous au Cameroun. Et c'est ce qui se passe là. La justice, c'est pour tout le monde. C'est ce que nous revendiquons. C'est ce que nous demandons au Cameroun, que la justice soit pour tous les Camerounais.
Il ne faut pas qu'il y ait une partie des Camerounais qui veulent nuire aux autres. Alors ils sont en train de faire leur travail. Si la justice n'était pas, si la justice était, s'ils étaient corrompus, c'est que hier j'ai venu me mettre directement en cellule, n'est pas, c'était le but de ces personnes-là. C'est qu'ils me mettaient directement en cellule pour dire qu'on va attendre ton affaire, on va attendre ça lundi. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont dit que non, elle est là, il ne va pas fuir. Il me regarde ici, depuis là où partout j'ai parti, il me dit, ces gens-là me voyaient. Donc on ne court pas derrière qu'elle, elle va venir nous trouver ici, je suis allé la trouver. C'est comme ça. Donc ils ont dit que pour le moment, ils sont en train de faire leur boulot, je trouve que c'est un très bon boulot. Moi-même ça m'arrange, parce que si je pars et que je laisse une histoire comme ça derrière mon dos, demain je reviendrai, ce sera encore la même routine, ce sera encore les mêmes problèmes. Donc pour ne pas revenir à chaque fois, pourquoi ne pas en finir, profiter des vacances, parce que lui je voulais en vacances en Allemagne, papa faut d'aller là-bas en été comme s'il n'a pas trop de boulot. Et peut-être la semaine prochaine, disons, j'ai encore tout le mois d'août où je peux essayer d'arranger ces problèmes-là. Remettre tout à l'ordre et rentrer en France, c'est que la prochaine fois qu'il vient dans mon pays, je viens librement savoir les problèmes, sans que j'ai des problèmes avec quelqu'un. Voilà, et je repars là-bas très assagi. C'est comme ça. Donc il ne faut pas faire comme si, il y avait un mort d'homme. Les gens jubilent, vous jubilez même quoi. Ils font leur travail, c'est normal. Si c'était des mauvais, si c'était avant qu'on dise que oh, la corruption au Cameroun. C'est qu'en temps normal, les gens là, ils devaient me récupérer direction une cellule, m'enfermer. Et dit qu'on revient lundi ou mardi. Ils ne l'ont pas fait, ils ont fait un très bon travail. Ils m'ont écouté, ils m'ont dit voilà. Maintenant tu peux rentrer à la maison. Nous sommes sortis, on a bu quelque chose, nous sommes rentrés. Lundi tu reviens nous voir. Il y aura des plaignants qui seront là. Et on va écouter chacun de vos versions. Et puis on veut les preuves. Et si toi aussi tu as tes preuves, va réunir tes preuves et tu nous apportes des preuves. Vous les Lolomaya, vous faites quoi alors? Retrouvez-moi les vidéos de où j'avais mis les voices de Virus Lydia. Retrouvez-moi les vidéos où lui-même m'avait remercié. Il avait fait un direct là-bas chez Lacam le Gauthier. Il y avait Céline Ladoyen, il y avait que, je me rappelle même plus de où il disait qu'il m'invite même à la soirée de son enfant. Retrouvez-moi les vidéos là. Parce que c'est que moi aussi j'ai besoin de ça pour dire que voilà quelqu'un qui vient me porter plainte. Alors que hier, il me remerciait dans un live. Il faut retrouver toutes ces vidéos là. Parce que moi, je reconnais que je n'ai jamais insulté ce monsieur. Et j'insiste là-dessus. C'est tout. Le pays a changé, mon frère. Ce n'est plus le pays que vous venez porter plainte aux gens comme ça. Non, ça a changé. Ce n'est plus ça. Maintenant, les autorités font leur travail. On ne va pas s'en prendre. Vous venez, si ces gens-là veulent pousser à bout, ils veulent commencer à insulter le Cameroun. Que, oh, le Cameroun, là, c'est un pays corrompu. C'est ça. Pourquoi je m'enfonce encore plus? Mais je suis très intelligent. C'est ça. C'est la raison pour laquelle ils sont venus donner la fausse information hier. C'était pour me pousser à bout. Quand ils veulent faire un direct, ils commencent à insulter les autorités. Mais je suis trop wise, mon frère. Je ne suis pas un enfant. Ils ont fait leur travail. C'est qu'on a demandé de faire. Et s'ils ont appelé le plaignant, c'est normal qu'on appelle le plaignant parce que la personne a porté plainte. Pour signaler au plaignant que la personne à qui vous avez porté plainte est là. Et nous sommes avec elle. Donc, nous nous attendons ici, là, au plus tard lundi, pour trouver une confrontation. Si le plaignant a pris et allait raconter, les autorités ont vu. Les autorités ont vu ce qui s'est passé. Eux-mêmes, ils vont parler lundi. On va demander à la personne pourquoi tu allais donner les informations là. Parce que les autorités sont au courant. Moi, j'ai montré la vidéo hier. Pendant que j'étais en live, c'est pendant ce temps-là, pendant que j'étais en train de me faire auditionner par l'enquêteur, c'est au même moment où l'information est passée et les autorités ont reconnu que oui, nous l'avons appelé pour l'informer. Que vous êtes là, il y a telle chose, et la personne ne s'est pas gênée à aller informer aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'il méprise la police camerounaise. Il méprise la police. On appelle ça le secret professionnel. Ce n'est pas normal. Vous méprisez la police camerounaise parce que vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. La loi s'applique pour tout le monde. Voilà. Oui. La loi s'applique pour tout le monde. Donc, c'est ça. La loi s'applique pour tout le monde. Ce qui est sûr que. À partir de lundi, nous allons parler. Moi, c'est mal la partie où on dit qu'on a donné, on a mis ton nom à inter. Parce que moi, je risque aussi de porter plainte. Hein. À lui, ne croyez pas que celui qui porte plainte a raison. Si tu portes plainte, c'est parce que tu sens que tu es capable de prouver que cette personne m'a fait du mal. Mais si tu n'es pas capable de prouver ça, ne pas porter plainte à la personne. Hein. Parce que si tu ne prouves pas, la personne peut l'affaire peut se retourner contre toi. Parce qu'il faut les preuves. Vous êtes resté, on vous a raconté au quartier que le loup vous a insulté. Parce qu'elles sont incapables de faire le clash avec moi. Oui. Elles sont incapables de faire le clash. Elles sont venues que le loup vous a insulté. Alors que tout le monde, il n'y a personne en fait qui vous dit que le loup a insulté ce monsieur-là. Personne ne peut affirmer ça. Personne. Parce que la plainte a surpris tout le monde quand c'est sorti. Hein? Et ils ont, hein?
Oui, oui, appeler maintenant pour mentir, pour dire que Noé m'avait insulté. Non, moi, je ne fuis pas. Voilà. Ok, Valérie. Donc, demain, là, je suis là, les Lolomania, ne vous inquiétez pas. Ok. Parce que les gens sont là. Ils sont en train d'attiser une haine qui n'a pas de nom. Moi, je pleure seulement ceux qui ont leur nom aussi sont dans la plainte là. Parce que quand tu as. Parce qu'au Cameroun, quand tu as insulté quelqu'un, moi, je parle seulement ma part ici là pour dire que je suis allé de moi-même. On dit qu'on a capturé, on a capturé Laura. Moi, je suis parti de moi-même et je suis rentré à la maison. Donc, lundi, après cette confrontation, je vais vous rendre compte. Parce que vous me suivez, c'est normal que je rende compte à tout le monde. Ce n'est pas un crime de rendre compte. Voilà. Moi, j'attends toujours la preuve hein, où j'ai été interpellé et gardé. Vraiment, il faut donner. Appelez seulement avec la preuve hein, quand j'ai été interpellé et gardé. Ne venez pas raconter ce que vous racontez au quartier. Mais dites que les autorités ont été. Vraiment, ils ont été justes hier. Moi, j'ai beaucoup aimé et je remercie vraiment l'enquêteur et tous ceux qui les gens d'Interpol là. Ils m'ont rassuré que si tu reconnais que tu n'as pas. Maintenant, l'autre plainte avec la star. Ça nous regarde, elle et moi. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Voilà. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Parce que ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce que vous voulez amener là, ça ne va pas arriver. On vous connaît. Mais vous, on vous sait. Voilà. Donc, on ne va pas faire un commentaire là-dessus. Donc, ce qui concerne les gens qui croyaient que je vais venir au Cameroun, ils vont se me mettre au gata. Je vous ai dit que je ne vous demande pas pardon. L'autre là, je me fais gogan kodengi. En vrai, vous là, il n'y aura pas de pardon avec vous. Bien au contraire, c'est vous qui devez me demander pardon. Moi j'attends toujours les preuves. Hein. Parce qu'on a dit ici là qu'on m'a gardé, on m'a interpellé. Cherchez-moi seulement une photo où j'étais en cellule. Cherchez-moi seulement une photo où on m'a interpellé. Parce que franchement, l'affaire me dépasse. J'étais morte de rire. Et la police aussi attend des explications parce que les secrets de la police sont dehors. Hein. Vous ne pouvez pas manquer le respect aux commissaires divisionnaires, aux enquêteurs. Ils sont en train de faire leur enquête. Et il y a des fuites à l'extérieur. Il y a des fuites à l'extérieur. Et sur le mensonge et la manipulation. Ça prouve que vous faites le faux. Que vous êtes faux dans ce que vous faites. Parce que vous voulez faire peur aux citoyens camerounais. Manipuler les gens. Voilà aujourd'hui la vérité. C'est-à-dire que j'étais assise avec l'enquêteur. On m'appelle, on me dit qu'ils sont en train de faire un direct. Et les autorités ont reconnu qu'on appelait le concerné. Et le concerné a appelé ces gens pour dire qu'elle dit, je remercie si le couple me sent. Vraiment un couple de paix. Un homme qui n'a pas sa langue dans la peau. Un homme qu'on ne manipule pas. C'est la raison pour laquelle je n'ai osé insulter ce couple-là parce que je reconnais que c'est des personnes que vraiment merci au couple me sent. Parce que c'est un homme juste. C'est un homme juste, il n'est pas en train de la manipulation. Il n'y a pas quelle est la blogueuse qui n'a pas insulté qui dans Facebook. Vous voulez qu'elle sorte les vidéos, mais je n'ai pas le temps parce que je suis plus à ce niveau-là. J'ai dit que moi je vais changer quand je vais revenir là. Mais vous allez beaucoup me plaire. Vraiment, je remercie beaucoup Maman Chantal ici qui fait un travail énorme. Moi, je respecte les autorités de mon pays. Je respecte la loi et je suis soumise à la loi à partir de hier. Là. Je dois suivre mon dossier jusqu'à la fin. Et quand il y aura la fin, je serai de retour en France. Pour le moment, je dois suivre la procédure. Voilà, sans toutefois m'en prendre à une personne. Mais il dit que le pardon, là, jamais. L'autre dossier là, on n'en parle pas. Parce que c'est un autre dossier. Je parle du dossier qu'on m'avait porté plainte à Interpol. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Appelle la matière. Appelle la matière. Voilà, appelle la. Donc, vraiment, mais Lolomania, je vous remercie. Ce n'est pas facile de payer. Un appartement comme ça, 35 000 la nuit tous les jours, je n'ai plus de moyens, mais je vais garder, je suis là.
Bon, au revoir, ma chérie. Bah, bloqué. Tu vas revenir encore chialer sur mon mur. Tu m'avais un jour insulté les autorités camerounaises. Pour que je sois vouloir mettre les points sur les gens. Tu as entendu un loulou un jour que le loulou a insulté les autorités camerounaises sur ma page. Vous êtes folle. Hein? Tu es folle. Tu as entendu un jour que vous insultez les autorités camerounaises sur ma page. Va chercher dans tout Facebook, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Si j'avais les points avec les autorités, avec le gouvernement camerounais, je ne serais même pas en train de parler là. C'est parce qu'ils ont cherché, ils n'ont rien vu. Le direct va me créer encore de te pour. On t'a dit que la police, on m'a interdit de faire le direct. Parce que vous voulez que quand je fais pour le direct, non, elle est en cellule. Quand je fais le direct, elle va te dire, ça ne va me créer aucun problème. Aucun problème. Ça ne va me créer aucun problème. Laissez ce que vous racontez là. La reine, elle est le mariage, Julien Zombie. Ça ne va me créer aucun problème. Faut laisser. Je parle d'un seul dossier, je ne parle pas de deux dossiers. Je suis en train d'expliquer. Même les autorités savent que. Même les autorités savent que je suis une blogueuse. Ils sont en train de me suivre là. Quand j'ai lancé le direct, ils sont dans mon direct. Que je suis une blogueuse, j'ai des followers qui me suivent. Et c'est normal que je rende compte à mes followers. Oui, c'est comme si j'étais en train de faire une conférence de presse pour expliquer aux personnes qui se soucient de moi et qui m'aiment. D'accord, Valérie, je vais te répondre sur Messenger. On regarde Yaoundé, voit Yaoundé à distance. C'est vu sur paranoïque, c'est ça. Vue panoramique, Yaoundé. À 20 ans que le goût de Salolo vous dépasse. La reine mère de Lomaya, Julien Zombie. Julie Loé. Les filles aiment les problèmes. Julie Loé. Elle aime les problèmes. Mais à ça, la reine belle est Lolomania. Rama Foko. Marcel Ketcha. Patricia Tchakoum. Clarisse Laure. Bonjour Mbombo. Tu es Laure comme moi. Marcel Ngomsi. Bernard Matengue. Guillaume. Je viendrai en Suisse, Guillaume. Lolo vous dépasse. Tu as jugé Lolo vous dépasse hier. Elle est revenue. Quelqu'un m'a demandé que mais Lolo vous dépasse où depuis, non? Alette. Il a dit que vous avez fait quelque chose hier, maman. Les gens là, les nia demandent que mais Lolo faut déjà. Il y a les femmes nia là, elles me nouent. Elles viennent dire qu'elles veulent écouter comment on me. Je dis que non, on ne venait pas ici. Elles vont déjà prendre mon téléphone pour venir filmer. Elles ne me filmaient pas. Oh, hier, yeah, vous m'avez dépassé hier, yeah, maman. L'enquêteur dit que madame, il faut fermer votre, éteindre votre téléphone. Merde! Ça fait boum, 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 boum. Okay. Non, vous êtes forte. Non, vous êtes forte. Jupiter la merveille, merci. Gladys la belle. Oh, d'accord, Gladys. Qui moi sur WhatsApp? Elisa Dell. J'ai dit que Adams. J'ai dit que, pas de monter. Mon barin, où les gens, si m'ont appelé, ils m'ont bien commencé à m'avoir peur que c'est comment. Peut-être que je vais aller au Ngata, le vrai. C'est comment. Il y a quoi? Je reste sur mon téléphone, commence à sonner, sonner, sonner. J'ai dit qu'il y a quoi? C'est, mais, un moment, j'ai dit à l'enquêteur que je vais répondre à un appel. Je prends le téléphone. Que, alors, il y a une personne qui a fait le direct que qu'on t'a arrêté. J'ai dit que ah, je comprends pourquoi le téléphone s'y sonne comme ça. C'était grave. Aïe! Rachel Nana, non, vous êtes forte, maman. Le téléphone a sonné, sonné, sonné. Au sonne, au sonne. Et quand est-ce que t'as l'eau là-haut? Ruth Deborah. F. Adam. Rachel. Habite tant que. Ouais, qu'elle est Lolomania. Hein. Non, vous connaissez aimer quelqu'un. Merde. Les filles m'ont traumatisé. Le téléphone a sonné, j'ai commencé à m'avoir peur. Oh, danse, coco. Très bien. Shalom, Gante.
Blandine, Tessier, Ndike Ndike, Glaris Nord, Bilor la Flamme, Apoine l'accélérateur, Julien Zombie, la reine Mène Lulumania, Lay Grace, c'est ça, Lay Grace, Landrine, d'accord, Patricia. Nathalie. Rachel Nana. Non. Et puis, c'est mon tour. Elles ont appelé. Macha, notre maman à nous, la mère de Lolo. Macha, c'est la mère de Lolo. Macha, c'est la mère de Lolo. Ouais, Julie Loé, le téléphone là-bas. Même notre journaliste a souffert hier jusqu'à. Hein? Le journaliste a souffert hier. Que maman, vous êtes à quel niveau? On dit qu'elle est Ongata, c'est vrai? Faites un direct, rassurez-nous. Lui, il ne faisait que rire. Le journal, il faisait que rire, rire, que merde. Il y a même quoi, l'engassi. Je lui dis, le roi, il dit que, hey, la reine de l'Omaya, il dit que, bah, le téléphone là-bas, le téléphone là-bas, il y a un rang de folle ici, là. Hé, lui, il ne fait que rire, que tu ris même quoi, même. Les filles, là, sont sur le téléphone, boum, 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 il dit que, tiens, la fait ici. Non, il y a les Lolomania dehors. Les Lolomania sont versés dehors. Et hier, j'étais assis dans un bar, il y a une petite fille qui était avec son gars. Et c'est lui qui nous a montré un poste. Il m'a montré un poste là. Le monsieur, hein, c'est des personnalités. Hein. À Yaoundé, là, c'est des personnalités. Le gars était là, il dit que c'est sa copine qui vient de dire que voilà, tata Lolo là-bas. Ah, vous allez me tuer. Ben, voilà ma tante qui est la manne à l'Antonganaise. Ouais, José Monique. Ouais, non, non, vous m'avez traumatisé hier, non, non, les loyens, pardon, ils mettaient plus les organes qu'à l'engala, l'engala bava, c'est les alonga. C'est des filles qui parlent de la menti depuis des années, vous n'avez pas encore, les filles la menti jusqu'à. Ouais, vous suivez l'engala, mon frère. Oh, merde, vous avez, non, on dit que la panique, même les nions ont confirmé que merde, il y a quoi même, non, toi, tu es Lolo Fondja. Le Niela répété le nom au moins 15 fois. Lolo Fondja, Tchenka. Lolo Fondja, Tchenka. Il dit qu'il ne veut pas bien, même bien, il est parti. Il ne veut pas le nom là. Le nom que lui lève, c'est Lolo Fondja. Tchenka, Maman Sarah. C'est toi qui soulève tout le Gabon. C'est toi qui soulève tout le pays ici. Mais il était dépassé. Ouais. Moi-même, après, j'ai commencé à laver les maliques qu'il a fait. C'est vrai, moi, bois mes biens. En tout cas, mais le Lomaya, passe un bon week-end. Non, non, Julien Zombie, pour toi, alors c'était grave, pardon. Il y a toi, Julie Loué. Aïe, notre MC des États-Unis, milliardaire caché. Elle, je dis qu'elle est jeune, les femmes qui peuvent me tuer. Sinon, avec mon pote de l'Espagne, aïe, depuis le matin, il m'appelle, je ne prends pas. Parce que si je prends, mon pote de la Malaisie, c'était grave. Je dis que, okay. Non, vous m'avez rassuré que vous m'aimez vraiment. Le litchi, maman, le litchi, que ça nous joue de tout. Moi, elle veut pour moi faire le litchi. Parce qu'il faut même faire que je vais faire PayPal. Le litchi, maintenant, pardon, je vais pour moi entendre parler du litchi. Pas le litchi, hein. La reine de l'Olomania est là. C'est elle qui veut apporter le soutien à Tata Lolo, passer par la reine du mariage Julien Zombie. Ou Tata Lolo elle-même. Parce qu'on attend devant, les gars. On attend d'abord lundi, non, avant qu'on va parler des affaires des litchis et tout. Pour le moment, les Lolomania, vous avez vu le travail que j'effectue sur la toile. Je travaille un travail vraiment à apprécier. Bon, il y a des moments où il y a des failles, qu'on peut faire des erreurs, ça peut arriver. Mais on peut reconnaître les erreurs et présenter les excuses. Moi, on ne peut pas présenter les excuses à quelqu'un qu'on n'a rien fait. C'est comme ça. Ça peut arriver quand tu es devant le direct, tu peux dire des choses. Et après, toi-même, tu dis, ah, si, je suis allé loin. Et ça peut arriver que bon. Mais il ne faut pas seulement regarder le côté négatif de Tata Lolo. Tata Lolo fait des très, très bonnes choses que vous appréciez beaucoup. C'est la raison pour laquelle
on veut ma tête, on veut me tuer parce que j'ai amené un concept. Je suis venu trouver les blogueurs sur Facebook. Tu es en train de se chambrer à faire des signes, des bangalais, des calissons. Lolo a amené un concept à cœur ouvert. Nous avons vu des femmes, nous avons sauvé des vies. Nous avons aidé des personnes en difficulté. Nous continuons à aider. Nous avons eu, j'ai pris mon oreille. Il y a beaucoup de femmes qui. Alerte, alerte. Donc, il y a beaucoup de femmes. Avant de venir au Cameroun en vacances, vous vous rappelez le problème de la dame là, qui habite à côté de chez Demandou là. On a fait le direct pendant 3 jours où je dormais pratiquement à 4 du matin parce que c'était une soeur qui était en dépression. Elle avait besoin de se faire entendre, de nous soumettre son problème et des conseils. J'ai pris de mon temps pendant des jours et des jours pour écouter notre soeur. D'accord, d'accord maman, d'accord Alette. Donc, nous avons tout fait. Nous sommes battus. J'ai écouté cette femme avant de prendre mon vol. J'ai dormi pratiquement 4-6 heures du matin. Elle a gardé le meilleur de moi. Elle m'a dit, Lolo, grâce à toi, tu m'as donné du sourire avec tes followers. Il y avait bien sûr des commentaires négatifs, mais j'ai pu garder du positif de cette directe-là. Nous avons aidé des familles. Aujourd'hui, les jeunes filles meurent au Maroc. Elles meurent dans le désert. Nous, on a sauvé une qui peut aussi mourir, comme celle que vous avez vu ces vidéos traîner un peu partout dans Facebook. Une jeune sœur qui a laissé 2 salons de coiffure pour aller mourir en aventure. Nous avons sauvé la vie. Nous avons épargné un cadavre de plus dans le désert. Nous avons rapatrié Caresse. Son enfant aujourd'hui avec ses parents. Elle est décédée 1 mois après. Mais nous avons épargné une Camerounaise dans le désert. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons apporté encore notre soutien aux déplacés du Nozo. Est-ce que depuis que Lolo clash encore? Ça fait très longtemps que je ne clash plus. Malgré que je reçois des pics, des injures, des insultes, mais j'évite parce que j'ai pris un autre régime. Je ne suis plus dans ça. Mais de temps en temps, elles reviennent toujours parce qu'elles veulent me rassurer vous que franchement, ces filles ne veulent même pas leur répondre quand je vais rentrer. En vrai. Là, je peux le faire même ici parce qu'elles vont animer la galerie. Mais quand je rentre là, je ne vais pas le faire parce qu'elles ne méritent pas mon attention. Je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai été reçu ici là par des autorités que je n'imaginais même pas qu'un jour je vais leur voir avec les yeux. Donc, ne serait-ce pour ce privilège que j'ai eu dans mon pays, le Cameroun, je me dois ne plus faire dans la saleté, dans la boue. Voilà. On me demande de demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Je ne peux pas demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Je peux demander pardon à ceux qui se sont sentis blessés et qui me le font savoir. Voilà, c'est comme ça. Je ne demande pas le pardon à la volée. Je demande un pardon sincère. Voilà, et je ne suis pas... C'est un peu ça. Donc, pour le moment, je vais vous laisser, mais Lolomania, je suis juste pour vous rassurer que je vais très bien. Très, très bien. Voilà, je vous reviens bientôt. Ce soir, je vais sortir ce soir. Je vais aller faire un tour à l'appartement. Nous sommes à l'appartement. La chambre n'est pas arrangée. Ma chambre n'est pas arrangée. Vous voyez le Cameroun, non, l'ambiance du pays. Ça, c'est le Cameroun. Hein. Voilà, l'ambiance du pays. Il y a les bensikinaires, il y a les taxis, il y a tout. Hein. C'est le Cameroun. On vit là ce soir. Je vais quand même aller faire un tour quelque part. Il y a des très beaux endroits que je vais faire visiter au Bengis. Hein. Donc calmez-vous, on reste dans la paix quoi. On reste dans la paix. On remercie tous les soutiens qui viennent de tout bord. On remercie. On va plus remercier notre maman Chantal ici parce que c'est la maman de cœur ouvert. On ne peut plus remercier. On connaît que c'est notre mère. Je remercie mes Lolomania. Je remercie les sympathisants. Je remercie les personnes qui font des directs. La veuve joyeuse, merci à toi. Merci pour ton travail. Merci à tout le monde. Voilà.